Oh putain, rien que ça déjà, cette intro, ça nous met dans l'ambiance. Salut à toutes et à tous, c'est Setsky. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vidéo test, celui de Rayman 3 Hoodlums Havoc sur GameCube. Donc, on va commencer. Je vais charger une partie en cours. Je vais essayer de faire une vidéo de moins de 15 minutes pour pouvoir l'envoyer sur YouTube. Voilà. Voilà, je reprends la partie qui était déjà en cours. Ou alors plutôt, non, je vais plutôt vous montrer un autre monde, ce sera plus sympa. Je vais... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ben ouais, allez, le premier monde. Comme ça, au moins, vous comprendrez un petit peu. Enfin, non. Vu que l'histoire ne commence pas à partir de là. Voilà. Donc, cette petite créature qui vient de parler, plutôt sympa. Elle s'appelle Muffy. Et donc, c'est une espèce de libellule qui vous donnera des conseils au début du jeu. Et elle est vraiment, je veux dire, elle est vraiment marrante. Et elle fait tout le temps des blagues assez déplacées. Mais franchement, c'est vraiment marrant, quoi. Là, il fait vraiment des... Enfin, voilà, on va arrêter un peu de parler de Muffy, mais vraiment, il est vraiment marrant, je le trouve. Voilà, vous voyez ce genre de blague, là. Mais bon, voilà. Sinon, si j'ai voulu faire déjà le premier niveau, bon, bah, c'est pour vous montrer un petit peu, hein, voilà. Donc, déjà, première chose, je vais vous parler de l'histoire. Donc, l'histoire, en fait, c'est que... tout se passe bien. Je vais baisser un petit peu le son parce que lui, il parle trop et du coup, ça me déconcentre. Donc, déjà, première chose, ce qui se passe, l'histoire, c'est que tout se passe bien dans le monde de Rayman. C'est qu'il y a les Lums rouges et tout qui vivent en paix. Mais après, soudain, il y a un Lums qui se révolte et du coup, il devient un Lums noir. Et du coup, ben, comment dire? Et du coup, ben, il transforme tous les Lums rouges en Lums noirs. Et du coup, ce fameux Lums renégat appelé André veut contrôler le monde de Rayman et tout. Du coup, il se fabrique un corps, etc. Et bon, au bout d'un moment, dans le jeu, normalement, on va bientôt... enfin, ce sera dans une partie du jeu que je vais peut-être vous montrer tout à l'heure. On va bientôt... On fera un petit combat vite fait contre André, qui se retransformera en mouche, et du coup, il voudra agrandir son armée pour qu'il puisse se débarrasser de Rayman, etc. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, voilà, c'est juste que Muffy parle trop, du coup, ça me déconcentre un peu, j'ai baissé le son, et voilà. Donc, sinon...
Je vais tout de suite parler des graphismes. Graphismes que moi j'ai trouvé tout simplement excellents, franchement, c'est vraiment des décors sublimes. Moi, c'est vraiment les décors, je les trouve pas simples ou faits vite fait. C'est vraiment des décors, je trouve bien travaillés. La modélisation de Rayman, je la trouve très bien. Donc je vais juste augmenter un peu le son pour que vous puissiez entendre Muffy. La touche de saut, sans blague, voilà une info! Je connais les dialogues par cœur, tellement je l'ai écouté, ce mec-là. Donc voilà. Voilà. Plus ce que j'aime bien dans ce Rayman-là, c'est l'humour, justement. Humour qui, justement, pendant un moment dans Rayman 2, qui était bien sûr le successeur de Rayman 1 sur PlayStation 1, cet humour qui avait été un peu perdu. Moi, j'ai trouvé ça dommage. Mais bon, voilà. Et puis, c'était plus orienté, bon, entre jeu simple, je vais dire. Parce que dans Rayman 1, il y avait un petit peu d'humour aussi, on avait un petit esprit cartoon et tout. Dans Rayman 2 qui a été perdu, ils ont essayé de remettre cet esprit cartoon et cet humour dans Rayman 3, un truc que j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, bon, je parlais des graphismes tout à l'heure, qui étaient vraiment, je trouve, jolis. Ouais, franchement, les décors sont jolis, hein. Après, le gameplay. Il collecte tes cheveux, mais ils ont fumé ou quoi? Non, vraiment, il est trop marrant. Et bon, je sais, je me répète, mais vraiment, je le pense vraiment, quoi. Bon, après le gameplay, bon, on a les mouvements habituels, qui sont bien sûr l'hélicoptère. On a les coups de pied aussi. Il y a quoi d'autre? On peut bouger la caméra, ouais. Bon, voilà, on a les coups de pied. On peut aussi lancer nos points, mais vous demandez pourquoi j'ai pas mes points pour le moment. C'est tout simplement parce que dans le générique du début, on le voit d'ailleurs, enfin dans le générique, dans l'introduction, on voit qu'à un moment Globox il veut nous traîner, on va dire, nous. Mais le problème c'est qu'il prend nos points, enfin, si vous voulez, parce qu'en fait il veut essayer de nous prendre pour nous mettre à l'abri parce qu'André il veut essayer de nous attaquer et tout. Mais le truc c'est que sans faire exprès il arrache nos points et du coup là on part à la recherche de Globox qui veut oh putain et là je sais plus où j'en suis à cause de Muffy qui parle trop là. Je baisse le son. Donc voilà, je disais que oui, un moment dans le scénario on verra que Globox prendra nos points. Et là, d'ailleurs, là, c'est Globox qui se cache dans ce tonneau. On va essayer de récupérer nos points, d'ailleurs. Et voilà. Et du coup, on pourra à nouveau lancer des coups de poing. Comme vous pouvez le voir, bon, vu que Muffy parle beaucoup, ça m'a un peu déstabilisé, là. Mais bon, j'ai baissé le son. Mais sinon, franchement, c'est vrai, Rayman 3, c'est vraiment un jeu plaisant. Moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Franchement. Après niveau gameplay, franchement moi je trouve ça très assez varié. Surtout que au fur et à mesure de l'aventure, on va récolter des espèces de petites boîtes de conserve où ils seront enfermés des pouvoirs spéciaux. Est-ce qu'il est toujours là? Ouais, voilà. Ouais, donc on va rencontrer des espèces de petites boîtes de conserve où ils seront enfermés des pouvoirs spéciaux. Enfin voilà, ça donnera des pouvoirs spéciaux à Rayman. Par exemple, le vert, ce sera les points tornades qui auront deux facultés, comme tous les autres pouvoirs du jeu d'ailleurs. Première faculté, ça pourra permettre de rabaisser, on va dire, les plateformes qui sont trop en hauteur, qui auront une espèce de. Qui seront en espèce de. Oh, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, voilà, il faudra leur donner des coups de poing tornade pour pouvoir les abaisser. Et en même temps, ça pourra permettre de rapetissir les ennemis. Après, la boîte de conserve rouge, ça pourra nous permettre de donner des coups de poing super puissants. Et en même temps, de détruire les portes assez dures. Ensuite, le bleu pourra nous permettre de nous accrocher aux anneaux et d'envoyer des décharges électriques à nos ennemis. Le jaune. Ça pourra seulement nous permettre de voler pendant un court instant. Et le orange, ça pourra nous permettre d'envoyer une fusée. Et voilà, c'est tout. Voilà, donc je vais augmenter un petit peu le son. Là.
pour que vous puissiez. Bon, j'espère qu'il va pas encore me déranger, Muffy, là. Voilà. Sinon, après, niveau bande son, j'ai trouvé les musiques franchement extraordinaires. La bande son est vraiment super, les bruitages sont collent bien. Et puis avec avec la voix un petit peu de Muffy là qui met un petit peu l'ambiance. Écoutez ces blagues là. Il nous fait vraiment des blagues assez déplacées, mais vraiment c'est ça qui est marrant avec lui. Après, qu'est-ce qu'on a? Prison les tirelires, tu as ouvert la porte. Cet endroit est vraiment trop magique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, il nous reste plus que la durée de vie du jeu. Très bonne durée de vie. Ce jeu est franchement très long. C'est très rare d'ailleurs pour l'époque d'avoir un jeu aussi long. Voilà. Et voilà. Voilà. Et donc là, on va passer à la scène où on doit battre André. Du coup, on doit donner des points sur le côté comme ça. Voilà, donc il est revenu à l'état de mouche. Voilà, donc il veut s'emparer de l'énergie du cœur du monde de Rayman. Oui. Tenue de combat? Mais c'est exactement ce qu'il nous faut! Ah non, Rayman, ça appartient aux Glooms! C'est peut-être Ouais. dangereux! Donc c'est de ça que je parlais, les espèces de boîtes de conserve qui nous donnent des pouvoirs. Donc là, le vert, comme j'ai dit, c'est celui qui nous permet de donner des coups de poing tornade. Je vais vous en faire une démonstration. Voilà. Bon, ça change un peu l'apparence de Rayman. Voilà. Donc voilà, ça, comme je disais, ça pouvait nous permettre de rabaisser un petit peu les plateformes comme ça qui auront des espèces de je sais pas comment expliquer. Voilà. Vous me dites si j'en fais trop? Voilà. Et donc voilà, je sais même plus ce que je disais avant. Enfin bref, voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un jeu plaisant que je vous invite à acheter. Bon, ouais, à acheter. Franchement, c'est vraiment un jeu bon. Enfin, un très bon jeu, quoi. Voilà. Encore une fois, je reprends ça. On abaisse les plateformes. Fait tourner les plateformes sur elles-mêmes, comme ça on peut les abaisser. Voilà. Donc c'était plutôt une petite vidéo présentation plutôt qu'un vidéo test, hein, je vais dire. Parce que. Oh purée. J'avais pas grand-chose à dire. Purée, en plus, il parle trop. J'arrive. Je sais plus où j'en suis. Voilà, il parle beaucoup trop. Là, il est peut-être marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment. Voilà, donc on arrive ici. Voilà. Ouais, mais moi je sais où il se cache, hein, parce que j'ai tellement joué à ce niveau que maintenant je connais tous les endroits par cœur. Il n'est pas ici. Il n'est pas là. Mais il est là. Non, il est pas là. Oh purée, je pensais qu'il serait toujours dans le même endroit. D'habitude, c'était tout le temps ici qu'il se trouvait. Bon, bah, comme quoi, on peut tous se tromper. Hein. Bon, bah, voilà. Là, je suis dans les 14 minutes de vidéo. Je vais pas continuer. C'était cette Sky pour un vidéo test de Rayman 3. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine. Salut!